C'est pas de cette façon que tu trouveras ta halal. Tout d'abord, tu dois impérativement arrêter de faire le fragile. Et surtout, tu dois apprendre à faire la différence entre une femme bien et une ramja. Les femmes bien, qu'est-ce que c'est? Elles sont souvent discrètes et elles en ont dans la tête, tu vois? Tu dois apprendre à décrypter leurs paroles et analyser leurs comportements. Le plus complexe dans tout ça, c'est que parfois, les ramjas sont déguisés en femmes bien. Ne prends surtout pas pour exemple la caisse à mon clito. Merde. Calcule pas. Trace ta route. Baisse ton regard. Baisse ton regard, mange-merde. T'es vraiment pas un homme, tu sais. Bah pourquoi? Regarde. Merde, c'est quoi ça? Classe. Espèce d'abruti. Tu n'as pas écouté le moindre mot de ce que je t'ai dit. C'était pourtant pas compliqué. Je t'ai demandé d'analyser. Une ramja est passée devant toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as plongé la tête la première. Tu as regardé. Bah je savais pas que c'était une ramja. Ferme ta gueule, imbécile. Mini jupe rouge, regard à guicheur, c'est une michetonneuse de première classe. N'importe qui l'aurait remarqué, mais tu es trop fragile. Tu n'es pas un homme. Tu n'as aucune virilité. Si tu l'avais suivi, t'aurais fini en slip. À lui offrir des tminiques à plus de 1 000 euros alors que tu la connais à peine. Ouais, alors? Rentre chez ta mère, fais tes valises et va à Fragile City. Tu n'as rien à faire parmi les hommes. Grosse pédale intergalactique, dégage. Pourquoi? Hors de ma vue, espèce de particule de merde qui flotte au-dessus d'une décharge publique. Je recommencerai pas. Trop tard. Pour moi, t'es qu'un khamj parmi les khamjas. Casse-toi.